Mes amis, bagay yo komplike nan la republik avèk kesyon koronavirus la. An pil moun viktim, an pil personalite gen la dèyò ki sou kaban l'hôpital, gen la dèyò tout ki mouri. E an dat se Jean-Bertrand Aristide ki se ansyen prezidant Republik d'Haïti a dè repriz. Jean-Bertrand Aristide li trouve nan peyi Cuba pou la pran swen kal nesesite. Son avyon ki soti an Republik Dominikèn ki akompanye de yon personel medikal ki devin pran ansyen prezidant menen Cuba. Le point d'actualité, le ministère de l'Éducation nationale sorti calendrier pour l'année scolaire 2021-2022. Côté de calendrier, ça, il prévoit pour l'école la ouvrir dans le pays d'Haïti 6 septembre 2021 et pour la fermer 30 juin 2022. Faut qu'on dit dans le calendrier, ça, l'autorité prévoit entre 900 à 1100 heures de classe que l'élève a dû gagner pour l'année scolaire ça, et peut prévoit environ 8 jours congé. Et puis dernier point dans l'actualité, la police dernier jour ça yo dédoublé, yo la gen coucou rouge des bandits dans différentes zones surtout zones qui gen en pile tension yo, c'est dans concernant dans zone Laboule la police mené opération, dans zone Rémy, dans zone Croix des Bouquets, la police mené opération, divers bandits tombés, plusieurs les autres arrêtés. Donc c'est pour ça on va développer pour vous dans édition information ça, n'a dit rete branché, n'a tourné dans petit moment. Gros salutations à nous toutes mesdames et messieurs. Nous rentrons la caillou pour nous porter édition information ça pour vous. C'est un plaisir pour nous servir et nous vous merci parce que vous êtes chez et soit à peine connecté nous vous bienvenue. Donc on est nous toujours fait nous le devoir pour nous porter on série de petits conseils pratiques pour vous, du moins on série de proverbes qui capable utile nous dans la vie parce que nous connaissons vient son on site d'apprentissage lié. Donc chaque soir apprendre quelque part la petite. Donc proverbe nous pour aujourd'hui, attendez bien, la guerre avait dit parti kokobé. Donc là, nous espérons avec proverbe ça, je dis, on va essayer de méditer sur lui et quand même, on va sortir avec un petit loup dans la vie. Yon la forme, salut nous tous, super branché qui est apte de nous. Donc, la montre d'emblée dans le développement information. Je ne t'annonce pas, le ministère de l'Éducation nationale, il mettait dehors calendrier scolaire pour l'année 2021-2022. Donc, dans le calendrier scolaire, ça, il prévoit pour les élèves de passer entre 900 à 1100 heures de classe, c'est-à-dire quantité l'heure d'affaires dans la classe, entre 900 et 1000 heures qui concernent élèves fondamentaux et élèves secondaires. Mais nous connaissons depuis quelques temps et année l'école est toujours perturbée, soit avec des crises politiques qui viennent dans le pays, c'est-à-dire qu'on connaît bien manifestations de temps en temps qui sont perturbées et on sait que l'école peut fonctionner normalement. Et dernier phénomène qui est censé perturber l'école là, on dit deux dernières années, ça aussi, question coronavirus là, nous connaissons qui continuer à faire dégâts dans le pays d'Haïti. Écoutez, dans tout le monde qui commence à être victime. N'espérez à l'année scolaire 2021-2022 à rapporter qui chole pour élèves et de passer une bonne année scolaire. Et bien, le point là, développer une actualité, la police commence à frapper pile, contact sur bandits à mener dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, il y a plusieurs opérations la police menée. Et dans la zone en bas de la ville, nous connaissons la police présente, nous connaissons dans la zone Delma 2. La police a une grosse opération à mener. Dans la zone de la boule 12, plusieurs personnes mourir, plusieurs bandits tombés. Et c'est même constat tout dans Rémy, dans les bouquets côté. Il y a un groupe de bandits qui a pas de problème. La police débarqué, bilan. 4 présumés bandits tombés. Divers les autres, jeunes arrestations. Donc la police l'a dit, il n'y a pas joué. Et DG Léon Charles lui-même, d'après la dernière déclaration, il était fait. Il a montré que la police l'a été pissoudée. Et donc, il y a marché pour bandits. Côté dans le pays parce que situation insécurité qui est là mérite une solution qui peut être avec pour payer un cap pour se normaliser pour toute activité qui fonctionne normalement et pour les gens qui sont obligés de courir quitter la zone pour retourner dans la zone côté où ils habitent. Et le point à point dans l'actualité à cause de l'hôpital qui n'a pas gagné, à cause de bon gens de soins de santé qui n'a pas gagné dans le pays d'Haïti, nous connaissons plus de monde malade, c'est à l'étranger qu'ils prennent soin, c'est à l'étranger qu'ils allaient pour eux. Ouais, comment on peut sauver pour eux, on peut continuer à vivre. Donc, c'est même constat ça qui fait dans le cadre de M. Jean-Bertrand Aristide, qui est ancien président de la République d'Haïti. Nous connaissons qu'il était président à deux reprises. Donc, le président a atteint le coronavirus et situation compliquée pour l'état de santé président. Donc, il est obligé de courir en urgence avec lui dans le pays Cuba pour la prendre soin qu'il nécessite. Nous avons une question à tout super bon chez nous et normalement nous pouvons commenter. Donc, il y a une réponse en bas vidéo. Pour qui ça, il y a un président ou du moins un dignitaire dans le pays, ou du moins une personnalité quelconque, leur bon malaise ou bien leur malade, pour qui ça c'est à l'étranger, là, le prend. Donc, là, son question, je pense que c'est un peu de monde qui a une opinion sur lui, ou un peu de monde qui a réagi.
parce que quand même il y a une réponse à situation ça ou du moins à phénomène ça on a constaté et depuis bien longtemps et c'est pas seulement en Haïti lié son phénomène yo remarqué qui très en vogue tout dans un série de pays en Afrique et c'est ça qu'il faut apprendre un pays tant que Niger qui prend un série de dispositions pour aucun monde aucun dignitaire qui dans pays qui est malade pour interdire prendre avion pour aller prendre soin dans pays étranger. En Haïti, c'est ça qui en vogue, c'est ça qui fait, ouais, ancien président, je mettrai Aristide obligé, c'est Cuba l'année pour l'aller passer. Donc, si nous avons essayé d'analyser, faire côté des biens malades, c'est à l'étranger l'obligé d'aller pour jouer un bon soin, donc, quelle compréhension nous avons gagné de la situation ça l'a présenté. Ancien président, je mettrai Aristide, à deux reprises, il était président dans le pays d'Haïti. Mais son nous président à deux reprises, on peut comprendre, il y a des standards Haïti qui n'ont pas rien. En matière de centre hospitalier. Mais normalement, tu as supposé quand même gagner des politiques qui développent dans le pays hein, pour assurer la santé de la population. Mais est-ce que tu as jamais imaginé yon le, ou ka malade, ou du moins, ka gen quelconque inconvénient qui arrive, qui t'a nécessité de soins intensifs, ok? Donc là, est-ce que tu as jamais mis ça en tête pour te imaginer, mais mettre sous pied on, l'hôpital de référence côté n'importe 100 moun gen dans le pays. Hein, ou karité là pour pension, pas obligé, c'est à l'étranger pour aller. Le président aller dans le pays Cuba, c'est là la pension, mais c'est pas seulement Cuba qui a été identifié. Il a été choisi pour aller aux États-Unis avec lui, tout spécialement dans l'hôpital Jacksonville. Mais par la suite, il a été changé d'idée, il a été prendre l'autre décision, et quand pile rumeur qui a circulé, qui a fait quoi, il a pas choisi aller aux États-Unis. Avec l'ancien président Jean-Bert Aristide, par peur pour Obata mettre fin avec la ville. Bon, ça c'est spéculation. Oui. Même détail, ça ne va pas entrer là-dedans, sauf que nous soulevons pour rien, pour montrer l'inquiétude qui te gagne, et bon côté famille, ancien président, bon côté collaborateur, bon côté proche, pour ne pas rentrer aux États-Unis, mais de préférence pour aller à Cuba. Et nous connaissons tout, et ancien président Jean-Bert Aristide avec le régime Castro, qui jusqu'à présent a dirigé le pays Cuba. Ce n'est pas le président Castro directement, mais l'ancien président Jean-Bert Aristide a toujours eu deux rapports serrés avec le pays Cuba et le pays Venezuela. Donc, probablement, c'est une raison, c'est une cause qui t'a fait, c'est Cuba et il est allé avec l'ancien président pour prendre soin contre le coronavirus. Ça veut dire que le coronavirus, là, dans un moment, il n'est pas joué, il n'est pas venu bêtiser et pas gagné vraiment structure d'accueil dans le pays. Hein. Font prise en charge de monde qui t'a atteint de coronavirus. C'est vrai, nous connaissons l'hôpital universitaire Mirbalère, nous connaissons tout, gagnons l'hôpital Saint-Luc, notamment, et dans zone en bas de la ville, dans zone Badelma, nous connaissons un centre de prise en charge tout, et contre le coronavirus, ni même qui n'a pas vraiment fonctionné, parce que nous connaissons zone Badelma, son zone de tension. Donc là, son centre qui presque pas fonctionné. Sinon, quelques autres centres ou bien de centres privés qui font de prise en charge et qui sont très coûteux, donc pas vraiment gagné. De structure d'accueil pour mon coronavirus. C'est mon époque sous présidence Jean-Bert Aristide, spécialement dans l'année 2000, il était pris une décision pour construire l'hôpital La Paix. Ok, l'hôpital La Paix, on dit que c'est une dans l'hôpital et côté son monde a un problème dans le pays, il y a une dans l'hôpital l'État, on monde où qu'à aller, mais qui structure qui gagne dans l'hôpital là qui a fait une prise en charge générale de tout cas qui est présenté dans le pays. Son petit hôpital, même j'ai avec tout l'autre hôpital qui gagne dans le pays. Côté son monde malade vraiment, c'est à gain de intervention d'urgence qui peut faire. Donc ça m'a demandé un pire calcul. Et si mon dispose de moyens nécessaires, on prend plus envie d'aller dans l'autre pays. Peut-être c'est en République Dominicaine ou bien dans l'autre pays dans les Caraïbes blancs, ou du moins aux États-Unis, Canada, Mbakone. Donc on prend plus envie d'aller. Et peut-être c'est monde qui t'a disposé de l'argent pour construire l'hôpital là, ou du moins qui t'a initié projet pour faire l'hôpital là, on va le plus souvent les plus préférer rentrer dans leur pays pour la prendre soin parce que parfait système sanitaire haïtien confiance. Pendant ce temps, c'est eux-mêmes qui là pour décider, pour prendre de bonnes décisions, pour orienter la population dans ça. Nous avons presque pas eu l'hôpital dans le pays. On imagine un hôpital général qui a construit, ça a plus passé 8 ans qu'a construit. Donc, vous imaginez jusqu'à présent, travail à 70% d'avancement. On va comprendre si c'est pays d'Haïti seulement qui a pris responsabilité pour construire l'hôpital. Là, le territoire, au moment privé, on pas disposé de fonds, ou bien pas gagné, et comme dans quel état pour construire l'hôpital, là, parce que son hôpital qui a coûté un peu d'argent, et c'est un hôpital de référence qui a gagné dans le Caraïbes, l'hôpital général qui a construit. Mais ça fait 8 ans qu'il a construit. C'est le plus gros centre hospitalier pays. Hein.
Pendant ce temps, autorité eux-mêmes, ils ont juste commencé le travail et puis ils ont campé là. Par exemple, une diligence qui fait pour finir avec l'hôpital là. Et vous imaginez aussi l'hôpital général t'a fini. Bah quoi, ancien président Jean-Marie Tracy t'a obligé de revenir Cuba pour la prendre. C'est vrai, nous avons mis en doute compétences et personnel soignant dans l'hôpital là, mais structure d'accueil là, l'État répond et à mission qui c'est prendre soin monde qui en difficulté dans le pays. Mais c'est pas seulement Haïti qui a construit l'hôpital général pour que ça l'hôpital jusqu'à présent pour qu'il fini. C'est Haïti, les États-Unis et puis la France qui a disposé environ 83 millions de dollars pour construire l'hôpital général, l'hôpital qui est presque fini. Donc on dit puis faut qu'on blague dans dépenser dans construction de l'hôpital. Donc pour qui ça pas une décision qui prend dans l'État pour finir avec l'hôpital général et éventuellement construire d'autres centres hospitaliers comme ça fait dans un port de paix côté le Fatma Guéon l'hôpital a construit. Donc pour qui ça pas une initiative qui prend pour mettre le centre hospitalier dans le pays pour offrir population en santé. Parce que la population elle-même a besoin de santé, mais autorité qui est en place. Même gens ont besoin de manger pour manger, même gens ont besoin de l'école pour voir les petites, ils ont besoin d'université, ils ont besoin de bon gens en route, et ainsi de suite. Donc, l'hôpital, on dit santé, c'est un secteur important dans un pays. Nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça, autorité, ils ont négligé et causé santé dans un pays. Et pendant ce temps, chaque jour, on gagne de monde qui besoin service dans l'hôpital et en pile fois ouais c'est de ONG qui mettait le centre hospitalier et de clinique pour que moun yo capable venir prendre soin mais l'état lui-même santé c'est pas priorité du tout. Donc vous imaginez qu'on a un ancien président qui à deux reprises li prend pouvoir et que je dis li gros malaise li malade dans il est atteint de COVID-19 parce que c'est vrai depuis quelques jours information il a circulé comme quoi président il a coronavirus. On parlait du président, ancien président Jean-Marie Tracy, il a eu coronavirus. Information yo été bafouée. Et on a pu porte-parole Famille Lavalasse à plusieurs reprises dans l'intervention qu'il a fait dans une série de médias. Il n'a pas jamais dit à clair que l'ancien président a eu coronavirus. Pour qui ça, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est pour essayer de bafouer l'information? Donc, nous ne connaissons pas. Mais oui, il a essayé de jouer double jeu pour montrer que le président n'a pas eu coronavirus. Mais nouvelle là lui-même il confirmé et en plein monde capable des possibilités pour ouais on sait de vidéos qui disponible sur internet là côté président il prend avion pour aller dans pays Cuba pour l'avancer mais ça sont montre le pays d'Haïti mes amis comment comprendre un pays après 200 ans d'indépendance pour une situation là car au côté une épidémie qui fait rage et puis pour un ancien président pour prendre soin, c'est dans un pays étranger pour aller. Et pays étranger, ce n'est pas en Europe pour aller, ce n'est pas en Amérique du Nord pour aller. Ok? Parce que nous connaissons les zones SAO, c'est des zones qui sont réputées et sur le plan médical. Ok? Il y a de grands hôpitaux, il y a de grands laboratoires, il y a de gros centres de recherche. Donc nous comprenons le pays SAO, nous sommes arrivés, si nous manquons de travail, nous ne pouvons pas arriver dans le standard, nous ne pouvons pas arriver dans le niveau. Mais là, dans le Caraïbe, nous avons côté nous, là, nous avons Cuba, nous avons Jamaïque, nous avons Porto Rico, Haïti, et ainsi de suite. Objet tout pays ça yo mieux structuré que pays d'Haïti sur le plan sanitaire et sur tout le plan c'est Haïti qui mal dans le temps tout là et c'est ça qu'il faut après si on dirigeant ou bien un notable dans pays un bon problème on pense dans pays ça pour aller et si éventuellement il y a possibilité on peut aller plus loin soit aller aux États-Unis Canada en Europe etc. pour prendre soin parce que en Haïti pas de soin mais pourtant en pile fois et en pile là yo c'est eux-mêmes qui étaient au timon des affaires qui t'a décidé pour te mettre l'hôpital, pour te mettre l'école dans le pays. Mais pas jambre décision pour mettre bon l'hôpital dans le pays pour si eux-mêmes ils t'ont besoin prendre soin pour ils t'ont prendre soin car ils nécessité. Et toujours dans le même cadre cause corona ou pour gagner des monde qui mourent, si t'as un bon hôpital dans le pays, t'as un droit à gagner ta monde. Exemple, ancien directeur ONA, Chesnel Pierre qui mourut dans le coronavirus. Et tout récemment, nous avons le président Cour de cassation, M. René Sylvestre, qui s'est en même temps président conseil supérieur pouvoir judiciaire il mouri dans coronavirus nous pas dit il pas ca mouri s'il était revenu dans le pays c'est pas ça nous voulait dire mais normalement si tu gain de soins appropriés gain de monde qui t'gain là pas t'a mouri tant pour ancien directeur ONA maître Chesnel parce que lui-même c'est diligence que t'a fait pour voilà qui façon de cas et quitter pays avec pour la pension de côté mais malheureusement t'gain tant mouri donc ou pas ca pour pays pour la guerre comme ça pour la paysan pour dépourvu de toute bagaille donc nous avons population devant nous on dit nous avons pays
Non, mais nous, c'est vrai, nous n'avons pas conscience de mon territoire pour nous gérer. Nous n'avons pas conscience de ça parce que la conscience n'est pas donnée à tout le monde. Et surtout, l'autorité, la fonction, si ce n'est pas des gens qui sont conscients de la mission, c'est très difficile pour voir le résultat et escompté. Mais, on n'a pas besoin de lire un gros livre pour qu'on ait sous une responsabilité pour gérer un pays ou supposer bas résultat. Ça, c'est pour le monde qui est obligé de personne. Et ce n'est pas un livre obligé de remarquer. Automatiquement, vous devez connaître soit l'élection ou dit votez, c'est parce que déjà vous avez un programme. Et programme ça, vous pouvez l'exécuter, vous devez définir une stratégie là-dedans, vous devez identifier le problème population à faire face, problème qui gagne dans le pays pour résoudre le problème ça. Parce que c'est peut-être ça où vous venez devant le peuple en demander pour voter. Bon, le président Jovenel Moïse, lui-même, il était jeune hôpital général à construire, depuis souvent c'est le président Martelly. Mais pour qu'il ne soit pas jamais une décision, le président Jovenel Moïse prend, pour mettre au moins un centre hospitalier dans le pays qui répond à normes, okay? Qui répond à un certain standard. Donc si on est malade, on est obligé d'aller à l'étranger pour aller. Pour qui ça? Pour qui ça, la population n'a pas gagné l'assurance santé, même ça fait aux États-Unis. Côté des gens qui vivent dans le pays, on a une carte. Et carte, ça, c'est lui-même qui assure sur n'importe quoi gagné, mais qu'il y a des cas assurance pas pour en charge. Mais on dit majorité cas maladie, on a gagné. Ou bien assuré, donc c'est juste à l'hôpital et puis l'État offre aux soins nécessaires. Qui ça différent? Est-ce que ça sont miracles? Est-ce que son miracle nous oblige à faire pour nous comprendre la réalité? Pour nous connaître son pays nous gagnons maintenant, il faut nous prendre une décision pour nous changer. Eh bien, nous fermons les genoux sur une série de bagailles, nous faisons comme si ce n'était pas responsabilité, nous courons à cacher pour position, du moins responsabilité, nous allons prendre. Nous ne pouvons jamais prendre parce que, en pile fois, dans le monde qui a dirigé mieux, c'est deux monde qui manquent de caractère. Donc, je dis, n'importe qui a un problème là, pas qu'à jouer dans l'hôpital pour aller. Bon, le coronavirus a fait ravage dans le monde. Il y a des pays, c'est par milliers de gens qui ont mouru dans le coronavirus. Contamination, même, ce n'est pas valide. Et le coronavirus, là, même si il y a des gens qui couèlent, même si il y a des gens qui ne couèlent, il est là dans le pays, présent. Je sais que mon cap dit oh oui mon qui mourit c'est pas qu'on a vrai bobine va occuper son épidémie mondiale et qui ça a été pour ne pas frapper de l'épidémie tout pays gain corona la caillou jusqu'à présent il gain des monde qui réticent qui pas veut quoi qui pas veut prendre mesure de précaution qui pas veut prendre mesure barrière pour pas contaminer il a gain quoi comme si comme ça gain l'hôpital si on malade il y a besoin de soins non. Faut prudent. La prudence est de mise. Parce que Haïti n'a pas offert aucune infrastructure sanitaire si on a une maladie là, si on a frappé, t'a touché de l'épidémie ou bien pas qu'on ait votre salle derrière pour bon soin. Pas vraiment, pas vrai. Pays n'a pas vraiment disposé de l'infrastructure ça. Parce que l'État estime que la santé, ce n'est pas priorité. Pour que ça ne marche pas, un dirigeant, dans tout voyage à faire, parce que le monde a même voyagé dans le monde, tout ça est dans un pays étranger. Il a capté. Ok, mais quand on est arrivé pour entrer en Haïti, il oublie tout. Parce que ça, par une loi faite dans le pays d'Haïti, Haïti par une loi façon ça, on Haïti par une loi même j'ai payé ça. C'est ça que notre tête ça fait ouais, il toujours quitté payé en janvier, salté tout côté. Bon mais Gambi, pourquoi tu t'es fait attaquer dans le pays ça là? Et pourquoi on a besoin de problème? En plus nous payons l'hôpital. En tout cas, Bois Marie dans le pays d'Haïti. Mais nous on est un jour, la jour quand même. On joue la joue. Donc, nous ne pouvons pas faire trop longtemps là pour aujourd'hui. Hein. Nous disons merci parce que vous avez pris le temps pour attendre nous. Non pas c'est Wilson Octavius et plateforme nous souligne, c'est TAC 509 qui le dit, tout haïtien connecté. Donc, nous disons merci encore pour passer sous et nous disons à très bientôt pour une autre édition information. Ciao!